De multiples applications de rencontres naissent au jour le jour, mais une seule fait la différence, Yamo Africa. Yamo Africa, votre application de rencontres 100% africaine et fiable. Sur Yamo Africa, trouvez l'amour dont vous avez tant rêvé. Je veux bien te croire, mais qu'est-ce qui t'a retenu? Ne me dis pas que c'est ta mère. Tu m'as pourtant dit qu'elle devait aller à une veillée. En fait, chérie, avec quelques amis, nous avons lancé un groupe baptisé 10 000 abonnés sur TikTok en moins d'une semaine. Dans ce groupe, nous devons d'encourager les membres à participer aux séances vidéo, histoire d'attirer davantage d'abonnés sur nos pages. Je peux te dire que en une semaine que le groupe a été mis sur pied, les résultats sont encourageants. Je peux te télécharger TikTok et en parler à mes copines. Si elles sont d'accord, je te mets dans le groupe. Vu que nous ne sommes que des femmes, qu'est-ce que tu en dis? Par rapport à quoi? Nous parlons de quoi là? Sunita, pourquoi ne trouves-tu pas quelque chose d'utile à faire avec ta vie? Et arrête de m'agacer avec des histoires qui ne t'amèneront nulle part. En passant, tu me pousses à donner raison à ta mère. Eric, écoute ceci une bonne fois pour tout. Si ma mère ne parvient pas à contrôler ma vie, ce n'est pas un passant comme toi qui viendra le faire. Hé! Hey! Je me rends compte que tu gâches tes grands ailes. Tu n'as rien à dire concernant ma vie privée. C'est maman qui avait raison. Tu ne peux rien m'apporter. La preuve, regarde-moi ton chapeau. Je m'en vais. Prière de ne plus me chercher. On voit tout avec les femmes. Sunita, ça s'est passé. Michel, s'il te plaît. Oui, bien. J'ai besoin de toi, maman. Tu m'as avancé un peu avec les messieurs. Il ne faut pas que la cliente nous trouve encore en train de les apprêter. D'accord. Je commence par les pointes. Les pointes. Arrête bien ça. Tu ne connais pas, mais tu as un pointe. Les pointes, voilà. Tout doucement. Tu me soutiens avec les pieds. D'accord. Voilà. Au fur et à mesure, tu montes. Je veux savoir pourquoi tu as choisi de faire la coiffure, ce métier en fait. Je suis juste passionnée par la coiffure, moi. Bref, tout ce qui est esthétique, coiffure, beauté, je suis très passionnée. Tu as les mêmes goûts que moi. Je ne suis pas sûre qu'en matière d'homme, Liliane, nous aurons les mêmes goûts, franchement. Michel, toi, tu parles comme ça là. Tu parles du travail. Mais dis-moi déjà, Liliane, toi, tu les aimes comment? Grand, petit, costaud, comment? Comment tu dis petit? Donc, du coup, j'aime. Moi, déjà, moi, je les aime pas gros, pas petit. Bref, moyen, normal. Salut chérie. Salut. Ça va bien. Merci. Okay.
prendre quelque chose? Non, merci. Ok. Bon, je vais dans ton but alors. Tu sais, depuis que tu es entré dans ma vie, je sens des choses bouger. J'ai un positif qui me suit. Et Vanessa, chérie, tu sais, je n'ai pas dormi de la nuit. Je vais te rendre heureuse. Bon, écoute. J'ai un business que je monte depuis, il y a de cela 3 mois. Et ce business dont on parle, il est intégré d'un chiffre de 500 000 francs. Mais ne te dérange pas, puisque je me suis préparé. Si je t'en parle, c'est parce qu'avant de le lancer, il y a certains papiers qu'il va falloir que je légalise. Mais j'ai un ami qui a promis qu'il allait m'aider. Malheureusement, il a perdu son papa ce matin. Mais chérie, s'il te plaît, j'ai besoin de 80 000. C'est un prêt. Je te le rendrai d'ici une semaine ou 3 jours, si tu le veux. C'est vraiment compliqué, chérie. Je te comprends, Amélie. Je te comprends pas. Mais je vais essayer de demander à les amis. D'accord, chérie. Merci beaucoup. Voilà. On va se mettre comme ça. Tu sais, si c'est pour lancer ton business, je vais t'aider. Mais là, il faut que je parte. Déjà là. Je suis déjà en retard à la réunion. Qui traîne juste pour gérer la facture de ma bière. Je ne voudrais pas dépenser sur mon fonds de commerce. Non, non. Tu n'as pas besoin de me soupirer, chérie. Allez, tiens. Merci. Merci. Bon, je t'appelle tout à l'heure. Bonjour ma BS. C'est comment? Roger, c'est comment? Bonjour madame. Une tasse? Ah non merci, je n'ai pas faim madame. Mais même les spaghettis sautés, tu manges pas? Ah, non, non, merci. Ah bon? Donc comme ça, vous vous connaissez? Quoi? Vous vous connaissez? Mais c'est mon fiancé! Quoi? Roger, tu connais cette dame comment? Excusez-moi madame. Chérie, je peux aller travailler. Roger! Il a demandé ma mère il y a de cela quelques jours, raison pour laquelle nous sommes là pour te le présenter. Roger, tu m'as dit l'autre jour que quoi? Qu'on a fait chemin ensemble, non? Hey! Hein? Mamadou et Binetta sont devenus grands. Seigneur Jésus! Roger! Chérie, je peux aller travailler. Roger! Tu me disais quoi avant-hier? Tu m'as dit avant-hier que quoi? Que tu n'as personne ici, on va faire chemin ensemble, non? Hey! Si quelqu'un n'a pas peur de vous, Roger, pas peur de ses parents. Excusez-moi, madame. Je t'excuse maintenant. Roger, donc c'est comme ça. Je t'attends dans la voiture. Je t'attends dans... Regardez-moi, je t'attends dans la voiture. Quelle voiture tu as? J'ai dit, vous êtes retrouvés où? Donc comme ça, tu as fini avec tous tes gigolos. Maintenant, c'est sur mon Roger que tu as atterri. Fiche-moi la paix. Hein? Roger, si je voulais sortir avec lui, sortir avec lui depuis. Maman, ton cœur l'est. Eh ben, gigolo. Donc, comme ça, là, tu es devenu l'arachide du deuil. Oui. N'importe qui te ramasse. Oui, j'accepte. Tu as fini de donner le charme à mon frère jusqu'à il est parti. Maintenant, tu récupères, tu fais la collection avec tous les gigolos. Comme ça, pour venir jouir des biens que mon frère a laissé. C'est la collection vraiment, là que je fais. C'est déplorable. Oui. C'est vraiment trop déplorable et trop sale de ta Merci part. Merci beaucoup. Ah, Michel, je te dis bien, je redynamise mes organes de base.
Tu as compris, non? Si je voulais sortir avec ton livreur, est-ce que c'est depuis il y a longtemps que je sors avec lui? Mais je le regarde, c'est un livreur. Maman. C'est pas ma catégorie. Tu as compris? Si mon frère pouvait se lever de la tombe. Il va faire quoi? Et voir son derrière. Il était une fois une femme qui vivait en harmonie avec son mari. Un jour est arrivé, le mari est décédé. Le calvaire a donc vraiment commencé pour la veuve femme. La veuve femme aujourd'hui l'a nommée Mamie Choco, mes amis. Elle est dérangée, elle est surpassée. Tous les jours, mes chers amis, c'est la vente de son mari. Puisque sa belle famille ne lui donne pas le lait, les menaces passent par là. Elle met la maman Choco, elle n'était pas facile. Un jour est arrivé, elle a décidé vraiment, mes frères, de faire quelque chose pour envoyer ses enfants à l'école. Pour survivre dans la vie, chose promise, chose faite, directement.